No, I left him here 4 days ago. I thought, well, since I didn't hear from him, I thought he'd forgotten me again. Caught up in his usual musings. It's happened before, you know? Did he stay here, alone? Do you know if he went in? Yes. Well, I don't know if he went in, but he certainly did ask me to leave. He seemed a bit more erratic than usual. As I said before, it wouldn't be the first time I've traveled with Sebastian only to find myself on a forced holiday until he remembers I'm there. Honestly, I thought he'd forgotten completely this time and had just headed back home. The hotel was booked until Monday, so... Well, he's not home. That much I can tell you. Is there any way to get in there? Well, as far as I know, the door isn't locked. Although it might be a bit swollen from the humidity. Maybe if we gave it a little push. Right. Let's give it a try. But someone should look for another way in, just in case. Au monastère. Oh non, mais... mais non! Juste la page de sélection des persos! J'aurais plus fait ça sur la porte de voiture. Les personnages. Donc on a Daniel Noyer qui est le personnage historique du jeu. Deuxième personnage. Oh, mais c'est bien, ça c'est à l'introduction. Juste à l'intro, je vous jure, juste à l'introduction, le jeu est déjà une dinguerie. Omar Nassiri. Omar, c'est le personnage qui fait à chaque fois qu'il trouve un truc. Et le nouveau personnage, ah lui je l'aime bien. Ernest. C'est que la porte est derrière toi. Quand même, je veux dire, niveau enquête, on n'est pas encore là, hein, mais... Mais tout le monde a commencé à être nul, t'inquiète pas. Il y a encore une courbe d'évolution. Ami de Sébastien. Oh ! Sébastien P. Usher, c'est celui qu'on cherche. Artiste, écrivain, qui avait eu la boîte. Ami de Sébastien, Ernest est un ancien archéologue renommé. Contraint à la retraite en raison de problèmes de santé constants. L'écrivain est l'une des rares personnes qui parviennent encore à le convaincre de rompre avec sa routine. Et Ernest voyage souvent avec lui lors de ses voyages de recherche. Lorsque l'écrivain a eu besoin d'aide pour accéder à l'abbaye de Sainte-Cécilia, il a immédiatement pensé à Ernest. Vitesse, bof, discrétion. Il a beaucoup en discrétion. Grâce à ce gadget. Bizarre, je peux à nouveau entendre. Ah, mais il a un sonotone. Ah, une musique maudite. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Quoi? Que je suis maudit? Allez, Ernest, il me dit bien, Ernest. Oh bah oui, je suis maudit. Aïe, aïe, aïe. On va pas lui faire confiance dès qu'il va écouter aux portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et tu sais, il a mal réglé son sonotone, il capte la radio du voisin, tu vois. Allez, on fait tourner les serviettes. Ah. Quoi? Apparemment, il y a Cyril Hanouna de l'autre côté, faut pas rentrer. Oh merde. Qu'est-ce qu'il fait dans cette abbaye? Ah. Oh, I can go have a look. Je peux y aller jeter un oeil, après tout, je connais plus ou moins le secteur. Ah. Oh le ninja! Il a vraiment fait ça! Il a sauté par-dessus le... La... Quoi? Et là, une bougie. Oh, cette ambiance de... Tout ce qui était dans ses caisses doit avoir gelé avec. Mais pas tant ce qu'il a. Le son est derrière maintenant. C'est là que tu vois quand même qu'il y a un level up, un step up sur le... Et là, tu l'entends à gauche. Si vous avez un casque, l'expérience est incroyable. Alors c'est, moi, ça me fascine, mais parce que je suis très sensible à ça. Mais t'as d'autres gouttes là, et t'as ceux du couloir à côté duquel tu passais à gauche. Le sonotone fonctionne bien.
Les débris du plafond effondrés et ne reste rien de l'étage supérieur. C'est l'entrée d'un tunnel qui contourne ce mur, mais il est bloqué par une trappe. J'ai trouvé la trappe même ici du premier coup. Un sac. C'est ça que pratiquement j'avais. Je vais pas courir. Juste faire un premier tour. Sachant que j'ai aucune confiance. Cet endroit a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était déjà abandonné à l'époque. Les dégâts sont encore bien visibles. Mais non, c'est le vent. Parce que je me suis dit pendant 3 épisodes. Je l'aime bien le style d'Ernest. Je crois qu'il pourrait être dans un bon Sherlock Holmes. Là. Une corde et un seau pour descendre. Des objets dans le puits ou les en sortir. Oh. Est-ce que je peux combiner le seau Comment son automne. Ah, qu'est-ce qu'il dit le seau? Qu'il est stupide. Ah, quoi? On dirait que ces fleurs peuvent résister à la neige. Elles sont entourées de vignes épineuses. Récupérer. Je vais combiner avec mon sonotone. Ouah ! Qu'est-ce qu'elle dit, la plante ? Je ne sais pas, elle végète ! Hein ? J'adore. J'ai aucune, mais j'ai zéro confiance en lui qui écoute à la porte. Et zéro confiance ! Alors déjà, pour tenir sa bougie contre la porte comme ça. Je suppose que c'était plus pratique de mettre ses sacs et ses barils ici que de les déplacer à tout bout de champ. Bah, surtout qu'il n'y en avait pas. Des champs. De vieilles herbes, de vieux livres de recettes, de vieux ustensiles. J'avoue, il y a des sortes de clochettes et tout. Qu'est-ce que c'est en latin? Ils identifient les herbes et les ingrédients. Triés, ainsi que les couverts. C'est bizarre. Que des moines laissent une table comme ça. Ouais, mais sinon, des morts et des disparitions, ça passe. Et quand les gens sauront que j'ai fait du luminol à moi tout seul, ça va les impressionner. Dégage, t'es moche. Dégage. What? J'arrive pas à savoir si c'est... Vous savez que je... Vous savez que j'arrivais pas à entendre à cause du bruit, du froid grandissant. Je n'entendais pas s'il y avait un truc de l'autre côté.
des épices et des recettes de bière artisanale, je me demande de quel goût avait leur bière. Priorité. Un seau en bois de pleine graisse. Ces produits sont généralement une durée de conservation étonnamment longue. Ouais, je vais mettre mon bras dedans. Je vais essayer de combiner cette huile noire avec mon sonotone. Vraiment, ça ne marche pas. Personne ne m'a rappelé que j'avais la bougie éteinte. Et qu'on était dans le noir total pour aller évoluer. Merci, non, non, mais juste vraiment merci. Ça fait genre hyper plaisir. Bon, ben, il y a encore des piles dans le sonotone. Le test est ok. C'est pas vrai, j'ai aucune clé, je peux pas utiliser la... Oh. Je peux pas faire comme tout le monde et rentrer mon sonotone dans la serrure. Oh. Oh non, un cul. Moi, j'étais pas prêt à ça. J'étais pas du tout prêt à ça. Le placard est vide et assez grand. Mais la porte est bloquée, je peux pas l'ouvrir. C'est là, c'est sûr. Et ça commence. De vieux ustensiles de cuisine, plus vieux encore que ce que ma mère utilisait à l'époque. Je sais pas pourquoi tu penses à ta mère dans ces moments. Glauque. Y a rien à l'intérieur de ce pot. À part de la poussière et de la saleté. Bouteille de liqueur. T'avais des pieds de biche, t'avais des tournevis, t'avais des clous, t'avais des gros cailloux, t'avais des chaînes, t'avais des mitrailleuses, t'avais des bazookas. Mais non. Oh, bouteille de liqueur. Ah, génial. On aurait pris une gorgée si je savais... que ça ne m'empoisonnerait pas. Bon, on va la prendre quand même. On sait pas si c'est d'une utilité quelconque, mais on va la prendre quand même. On peut ouvrir le placard. La porte est gonflée et coincée. C'est osé quand même. Nope. J'aime pas quand la porte elle ferme comme ça derrière. Mais tout, y a rien qui va. Ça n'a aucun sens. Il dit ici que l'accès au quartier des moines était interdit. Mais n'était-ce pas là qu'il dormait? Oh, non. Cette manivelle doit être faire tourner ces engrenages sur les murs. Ok, bah du coup fait. Ça ne bouge pas. Si je prends l'engrenage, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Prends. Arbre rotatif conçu pour fonctionner avec une manivelle. Hein? Hein? Je peux combiner avec le sonotone. RTL2. C'est plus lourd qu'un maudit camion. C'est même difficile à transporter. Je ne sais pas quel genre de camion tu pilotes. Perso, mais... Il y a un passage, un tunnel de l'autre côté du mur. Il a dû être utilisé par les moines. Mais il est maintenant bloqué par une lourde trappe. Ok. Vous savez, c'est à ce moment-là où je crains qu'il se produise quelque chose. J'ai de l'alcool et une manivelle, qu'est-ce qui peut arriver d'affreux? Attaque du cassoulet maudit. Bientôt. On sait qu'il y a un placard, mais c'est pas... Je ne sais pas quel fuyard se cache dans un placard. Ah non, non. Ouais, ouais. Non.
Non. Ok, ok. Ok. Oui, ça m'a un peu surpris. Il y a des trucs au plafond. Non, peut-être graisser. Le... Voilà. Un engrenage rotatif conçu pour fonctionner avec manuel. Ah ouais. Ça va être. Pour une fois, j'ai pas à plonger mon bras ou ma tête dans un seau de pu. Et ben franchement, ça fait du bien, ça change. C'est couvert de graisse, je devrais pouvoir l'utiliser maintenant. Je peux toujours pas le combiner avec mon sonotone. Bof. 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 C'est pour moi l'un des meilleurs jeux que je connaisse. Niveau. Bref. Oh! Il y a. Ouais. Le mot. Note hâtive prise par Sébastien Perfair. Peu cher! C'est un Toulousain. Je sens qu'on me suit. Je sais que l'abbaye est abandonnée. Mais j'ai parfois l'impression qu'il y a quelqu'un là qui éteint la bougie. Ce n'est peut-être pas le vent, peut-être que le vent ou le froid insupportable que je dois en train de perdre la raison, mais je vois parfois des bougies que je ne me souviens pas avoir allumées. Putain, je dois trouver l'origine de cette chanson maudite et sortir de cet endroit. Il y a un truc sur la table. Donc là, on a retiré l'objet pour aller le graisser et le remettre ici. C'est pas bête, parce qu'on s'attend tous à prendre un objet, à le poser dans une autre situation. Alors que là, on doit juste le sortir, le pimper et le ramener en fait. Ce qu'il y a au fond du trou, là, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait une autre trappe. C'est parti. Non. Non. Oh non. Oh dear lord. I'm going to destroy my knees crawling in there. À ta place, je m'inquiéterai pas que pour mes genoux, tu vois. Il va aller là. Je l'aime bien, Ernest. Toi, surtout. Première pièce. Ouais. Mes genoux ne sont pas à la hauteur de la tâche titre, mais je suppose que je pourrais ramper par ici. Ugh.
careful. Ouais, inquiète-toi pour ton pantalon, ouais. Heureusement, mes genoux ont tenu le coup. C'est une pizzeria ou un crématorium? Après, ça ressemble quand même vachement aux deux, quoi. Pizzatorium. Quelqu'un a allumé ce four. Sébastien, peu cher, est-ce ton œuvre? Où es-tu passé? Brûler, ça n'aidera pas à retrouver. Le mec... Non, il faut quand même pas... Ah, il faut quand même pas utiliser l'alcool. J'ai envie de raconter cette vanne. Alors... Dans la modération, ça dit pendant ce temps-là... Ouvrir les crochets... Mais je voulais une pizza au jambon. Fermez les crochets. Ouvrez les crochets. Trop tard, virgule. Mamie a fini de brûler. Fermez les crochets. Allez, la suite tout de suite. L'encre s'est estampée. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dans ce livre. C'est une serpe. Elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Se cacher au milieu de la pièce ne semble pas être la meilleure idée. Mais si je n'ai pas d'autre choix... Des livres en décomposition et des bouteilles tachées. Hein? Mon Dieu! Alors, sa phrase, c'est pas « Mon Dieu, des os humains dans un four ?» C'est « Oh mon Dieu !» Une clé au milieu des ossements. Dans une pipe. Dis donc, que fait cette clé ici? C'est quand même choquant. Et quelqu'un a vu mamie? En bon état et froid au toucher. Et sinon la clé? Vieux bois coupé. Je limite. Trop bien pour avoir été coupé par Sébastien. Yes. Yes. Page manuscrite, c'est du journal du père Agono. 12 décembre. 19-12. Il a été purifié et je n'ai rien à craindre. Ses os se changeront en poussière dans ce four, car je ne permettrai pas qu'il soit emmené ailleurs. Cela devrait suffire. À faire taire les voix, tout va bien, je n'ai rien à craindre. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est terminer son hôtel et garder mon calme. Je ne dois pas avoir peur. Ma foi ne doit pas faillir. 12-12-1912. Regardez, si vous. Apparemment, le prêtre était un Corse. T'as pas envie de prendre une serpe? Genre, t'as pas envie? Des livres et des mortiers. On dirait que les étagères... pourrait s'effondrer si j'éternuais un peu trop près d'elle. Par chance, je ne suis pas allergique. Mais je pourrais défoncer des murs comme ça, tant. Non, c'est quoi, là? Qu'est-ce que c'est? Ah, si. C'est que des chaises! C'est que des chaises! Mon Ernest! C'est que des chaises! Mais calme ta joie! Oh!
C'était une porte qui était verrouillée, on est d'accord là. Que j'ai déverrouillé. J'ai pas tout visité là. Les étagères, les livres. C'est une bonne chose. Du bois coupé, ok, très bien. On a une clé. C'était la clé. J'ai l'impression que cette clé peut également ouvrir autre chose. Face, il n'y a pas de note. J'ai dit pas d'ananas. J'ai cru en fait, la première fois que je suis arrivé ici, j'ai cru que je suis arrivé de l'autre côté. J'ai pas fait attention, c'est le nouveau cloître. C'est pas l'ancien. Mais nom d'un cul, j'ai... Non, nom d'un cul, virgule, espace, G, trois petits points. Latrina. À la fin de l'épisode 3, ça c'est l'épisode 4, à la fin de l'épisode 3, on joue donc Usher, donc celui qu'on cherche, qui arrive dans cette abbaye à la recherche lui-même de la boîte à musique, et on visite ce début d'abbaye, jusqu'à ce qu'il se met à vouloir se confronter aux horreurs et aux illusions. En pratiquant ce que les moines refusent de pratiquer, en regardant son reflet longuement dans le miroir, en allumant et en éteignant une lumière. L'épisode 3 s'est conclu là-dessus. On n'a jamais su ce qui s'était produit au bout de la troisième fois où il a éteint son briquet. Les toilettes, ça devrait faire partie d'une rénovation à l'intérieur. Est-ce qu'on peut attendre ? Les livres sont trop détériorés pour que je puisse savoir s'ils ont de la valeur. Un peu comme ma vie. Un instant disgracieux. De chiffon, t'avais une serpe. T'avais une serpe tranchante et décapitante. Et tu vois un kekamou enveloppé dans un chiffon. Je vais l'utiliser. Je vais combiner ça avec mon sonotone. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le son? Pitié. C'est dur que le rock. J'ai pas vu Black Adam récemment. Hein. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que je trimballe ce chiffon sale? Mais... On se pose tous la question, mon gars. On se pose absolument tous la question. Pourquoi? 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 Mais tu vas quand même essayer de le combiner avec ton son étonnant. Bah, je suis d'accord, on met pas ça dans les oreilles. Je ne comprends pas pourquoi le système de plomberie est si complexe.
Les seaux débordent constamment. De quoi? Ça fait longtemps qu'aucune eau n'a coulé dans ces studios. Oh, très bien. Ah oui. Pour se cacher là. Mais il faut activer apparemment la protection. Enfin la protection, il faut activer le contact. Suffisamment de place sous cette table pour que je puisse pouvoir m'y... Mais mec, il y a suffisamment... Excusez-moi, deux secondes. J'aimerais qu'on prenne 2 secondes. Je suis un tueur en série. Imaginez, ok? Je suis un tueur en série. J'arrive par cette porte. Je vois de ce côté-là. Imaginons que je suis un tueur en série. Je regarde de ce côté-là. C'est bon? Ok. Maintenant, imaginez. Vous êtes un survivant. Vous vous cachez sous cette table. Non d'un cul. Et votre idée, c'est de vous dire, il y a suffisamment de place sous cette table pour que je puisse m'y cacher. Hello. Cette table n'a pas de nappe. Ouvrir la fenêtre, mais elle donne sur une falaise enneigée. Je ne pourrais jamais m'échapper là. Ouais. Alors que sous la table. Impossible qu'il me trouve. Et quand mes potes sauront que j'ai fait du luminol, ils n'en reviendront pas. Oh, ce bruit, c'est de l'eau qui coule, hein, on est d'accord. Les planches sont encore solides. Je devrais encore trouver un autre chemin. Heureusement qu'il y a un plan, bah ouais, bien sûr, heureusement qu'il y a un plan. Le... L'astre, ok, pas vu. J'ai réussi à l'ouvrir. Je peux laisser la clé. Mais tu sais pas si t'en as pas besoin. Non! J'ai pas écouté à la porte! Ok. La tapisserie est sale et filochée au-delà de toute restauration possible. J'espère que ma mumie va bien. Comme dans la fin de Hostel 2. Sécateur, une grande paire de cisailles de jardinage. Je dois faire attention avec. Elles sont incroyablement rouillées et je ferais mieux de ne pas me couper. Comme dans la fin de Hostel 2. Des livres empilés n'ont pas été touchés depuis fort longtemps. C'est étonnant, alors le reste. Probablement une vieille essoreuse. Ma grand-mère en avait une, semblable quand j'étais petit. Jusqu'au moment où elle se lance dans la pizza. Je viens de perdre. Et c'est vachement original comme attrape-mouche. Ouais. C'est aussi mon premier réflexe. Un pendu. 4 grammes de cumin. 100 grammes de riz. 200 millilitres d'eau. Une cuillère à soupe d'huile.
Ce n'étaient pas des superstitions stupides, cet endroit exactement comme ils disent. Je ne me souviens plus par où je suis entré, je continue d'arpenter sans cesse les mêmes couloirs vides. J'aurais dû écouter les villageois et rester à l'écart de cet endroit. C'est la faute de Marius depuis le début. J'en étais sûr, je sens que mon esprit sombre dans un abîme. J'espère que la famille Pop me sauvera. J'entends pourtant quelque chose briser le silence de ces salles. Un bruit similaire au bruissement de robes autour de moi. Ça doit être Émile qui vient me chercher. Il semble venir de partout à la fois, mais quand je lève ma lanterne, je ne vois rien. Et pourtant, les sons reviennent quand je la ramène en place, plus proche qu'avant. Malédiction. Suis-je devenu fou ? Non, ça va. Oh, je propose qu'on relise le parchemin. Monsieur ! Ça va ? Oh ! Oh ! Oui ! Vous avez besoin d'un escabeau ? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez en haut de l'étagère ? Monsieur ! Je veux pas vous déranger, monsieur ! Donc Constantine dirait « Dieu n'a rien à voir avec ça. » Il va bouger, c'est sûr. Oh non. Ah. Je vais pouvoir me cacher sous cette table. Une pile de revues et autres livres illisibles. J'en ai bien peur. Et moi, j'ai un escabeau. Miroir est cassé. Ouf. Monsieur Noyer a dit quelque chose à ce sujet. C'est bien, continue de l'ignorer complètement. C'est bien, c'est la meilleure chose à faire. Voyez pas cette table aussi grande. La Japan Expo. Vous savez ce qui m'aide à me concentrer quand je me cache, en fait, je les compte, les battements. Oh, il y a un truc par terre. Ouais. Oui. On dirait une lettre de suicide. Elle raconte l'horreur qu'il ressentait. Dans quoi avons-nous mis les pieds, Sébastien? J'aimerais que tu mettes tes pieds dans ta bagnole et que tu tasses. Je suis désolé. Pardon, mais à un moment donné, soyons. Oh non. Ah, par contre, non. Non. Mec, je
te jure, si tu t'étais entièrement graissé dans le saut que je t'ai montré au début, tu serais passé genre easy. T'avais pas eu besoin de rentrer ton ventre. Prochaine fois, tu reconsidéreras mes conseils deux fois. Hein. Ça te sauvera dans une course-poursuite. Moi aussi, je visualise maintenant. Tu sais qu'il se plonge comme ça dans l'huile. C'est pour l'enquête. C'est exactement ce que je dirais à ce moment-là. Cette vanne doit réguler le débit d'eau du tuyau. Se pourrait-il que... cela ait quelque chose à voir avec le réservoir là-bas. J'arrive, Seb. Il faut que je me huile. Du vin rance. J'ai encore les poches bien vides. Il n'est plus bon maintenant. Bon, moi, hein, j'ai les poches bien remplies. Il va plus falloir que je prenne. Des bouteilles d'alcool. Non, mais mec, il y a un livre. Il y a un livre satanique à côté, mais lis-le dans ma cul. Ah, les bouteilles d'alcool, ça. Un presse-raisin. On va fabriquer du vin en petite quantité. Je crois que c'est le tuyau de vidange du réservoir. Il doit empêcher l'eau d'atteindre un certain niveau. C'est pas du raisin. D'où Jésus? Comment cette clé a fait pour se retrouver ici? Comme avec mamie dans la pizzeria. Comment cette clé a fait pour se retrouver ici? D'où Jésus? Le chiffon, le chiffon. Donc, voilà. On bloque. On fait remonter la créature ou la clé. Ok. Alors que s'il avait huilé son bras. Recouvert de bruit. Non, on met pas les clés dans les oreilles. C'est pas qui est responsable de ça, mais... je le saurai. Qui que tu sois. Je te trouverai. Je chercherai, je te trouverai. Oh non, je ferai plein de dessins sur les murs parce que je me roulerai en PLS. Je trouve que la modélisation, elle est vraiment super. C'est vraiment un détail pour vous. Mais regardez, dans les jeux, quand quelqu'un monte les escaliers, c'est une pente en 3D. Et tu mets tes pieds sur la pente. Tu mets pas tes pieds sur les marches. C'est très bête, mais pour moi, ça contribue follement à tout ça. Tout ce que je vois, c'est des notes gribouillées de moines implorant le pardon. Que diable ont-ils fait? Et qu'est-ce qu'ils ont pas fait? T'as vu l'état des toilettes? Sans transition. Poème de bibliothécaire. Sonnet écrit par le frère Nino. Quatre clés dans quatre serrures. Notre barrière entre la vie et la mort. Quatre frères, quatre liens, résistant pour subir le même sort. Le prieur en lui-même insiste. L'abbé fait confiance à une statuette. Victorino. Où l'air est plus fin, et moi dans l'abîme, nous avons enfermé nos frères sans la moindre gentillesse. Nous les avons piégés, nos frères, parce qu'ils sont tombés dans la folie. Et nous, qu'avons-nous perdu? Avons-nous tourné le dos à notre raison? Chers frères, pardonnons-nous, car nous avons perdu toute humanité. Quatre clés. Moi, quatre clés, ça me fait penser à quatre chevets de l'apocalypse, je suis navré. Hein. J'ai les rêves que je mérite, mais... Ahem.
Non. J'aurais kiffé ne pas trouver la pièce en fait. Bon sang, si seulement ces livres de recettes étaient en meilleur état. C'est la fin du monde. Il veut boire et manger. Après, il a raison. Équipe de bière, bon sang. Sébastien, nous devrions être au bistrot en train de savourer une pinte, nous patauger dans ce bordel. Même si ce serait vachement stylé de se oindre d'huile. Oh. Oh. Il y a l'alambic. Il y a eu beaucoup comme celui-là, mais ça a fonctionné. Ok, non, c'est moi qui l'allume. Ok. Yeah. C'est érotique. Une bouteille d'alcool. Est-il... Kilikilik. Oh, quand mes potes verront que je sais... faire de l'alcool. La destination est presque pure. Quand j'en parlerai à Heisenberg. Anciens appareils sont beaucoup plus résistants que les Kaamelott qui fabriquent de nos jours. Pfff, on en a cul là! Oh! Oh, non, un cul là. Virgule, espace, là. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ces bouteilles à part du poison. Zon. J'ai peur qu'il se passe un truc là. Je rentre le ventre et je vais sous la... titre. Table. En face. Pas si désagréable. Ok. Ok. Toute l'ambiance visuelle change maintenant. On est là. On a... en face. On n'a pas de biche. Oh non, d'un... Non, fais pas ça. What on earth? Damn it. What is going on here? Mais non. Quoi? Ils viennent vous chercher, seul le miroir peut les révéler. Une fois que vous les voyez, vous devez les achever en concentrant la lumière de votre lampe sur eux. Pour ce faire, maintenez enfoncée la touche RT. Si vous prenez trop de temps, ils essaieront de s'échapper. Ne les perdez pas de vue ou ils attaqueront par derrière. Donc là, il faut que j'utilise le miroir pour remarquer les créatures. EMF 12. Non. Oh. Oh non, un cul. Oh, il était discret, celui-là.
Ok. Ok. Deus in absentia. Succès déverrouillé. Il est incroyable ce nouveau gameplay. Il est incroyable. C'est une menace de plus, c'est un gameplay de plus. C'est hyper stressant. C'est pas... Non seulement c'est long, mais en plus de ça, c'est pas... T'as pas une musique bourrine en fait. T'as une sorte... Comme si tu... Comme si tu prenais une grande inspiration. Ah non, mais c'est incroyable.